Je vais regarder nos vidéos là, mais je vais regarder sur channel mais là, on est capable de visiter non, sur store non, on va visiter nos sous boutiques non, ça va dépendre de langue des fois non. Donc on va boire ici nous même, on fait tout là, on va boire ici venez. Même qui t'a mis comment on dans les dos, créer un store, créer une boutique en ligne, ça va dépendre de langue moi, on va contacter nous. Correctement, c'est comme ça nous fait tout bail, va boire ici, on va visiter nos sous store. Et puis je vais regarder là, c'est comme ça que nous allons montrer comment capable connecter un store sur YouTube ou bien capable créer un store tout sur boutique correctement. Ok, donc nous allons là, on fait ça rapide, nous allons aller sur nous allons taper www.youtube.com ou bien sur web si nous devons la monter comme si l'application est montée, même là pas mal là comme ça. Allez, comme ça, on va cliquer sur le signe YouTube là pour plus facile. Ok, on va cliquer sur le signe YouTube là même. Ok, là, on va cliquer sur le logo là pour entrer. Mais si ce n'est pas bon, le même format, comme ça, on va rentrer sur page là. On va cliquer sur trois petits points. Allez, ça. On va mettre là sur 10 versions pour ordinateur. Ok, ça ici, ordinateur, on va rentrer. Il faut qu'on mette les fonds sur version ordinateur. Ok. Donc, je vais mettre sur l'ordinateur le bon système, ça comme ça, page ça comme ça, et on va cliquer là, on est sur le logo là, sur le profil web. On va cliquer sur configurer, configuration, il va m'en aller en espagnol, on va le bon paramètre, ok, cliquer sur lui. Donc, je vais cliquer sur la première option là, bon petit zoom. On va cliquer sur la première option là qui dit estado y fonctionnel del canal, ok, on va cliquer sur lui. Et puis nous venons ouvrir la fenêtre ça comme ça et pour fermer la fenêtre ça. On ferme la fenêtre ça là comme ça et pour balayer zoom on va à la gauche, voilà gauche là on va appliquer sur signe dollar ça. On va appliquer sur signe dollar. Ok, on clique sur signe dollar là on va balancer ça comme ça, ouais. On va balancer ça comme ça vers la gauche. Balancer ça vers la gauche. Balayer zoom pour qu'on voit lui. Et puis là, voilà, côté le marqué complet. Mettez-le en français pour tout le monde, pour que nous allons comprendre. Français. Elle est trop loin, français, que le même bail là, ok. Mettez-le là, mettez-le, ok. Ok, là-bas, shopping, ok, là-bas, shopping. Ok, Libre Shopping en français, la bonne acheter. Ok, appliquer sur Shopping. Ok, allez vous cliquer sur Shopping là, voilà, ouais. Shopping en créole. Alors, allez vous cliquer sur là, après là, il va me payer ça comme ça. Là, c'est stop, qui est en couvrir là correctement, ouais. Mais on va bien pour la console, mais l'on va bien pour trois compagnies. Ok, trois compagnies, ça va être capable de connecter ou sont capables de créer avec. Pour faire ça, on va cliquer là, même simplement connecter les portes. Bon, YouTube, beaucoup de vous connecter les portes 3. Ok, là c'est magazine qui est connecté. Ok, pour les deux produits. Ok, ça c'est quelque chose. Ok, comme il y a un peu, qui côté qui dit, mais là, bon, pas même, il y a pas mal, on va bien côté en bas là qui dit créer. Un code là qui dit créer, vous pouvez cliquer sur lui pour créer un store ou sinon une boutique. Ok, moi même j'ai créé une déjà pour aller me connecter. Ok, la plus bonne connecter tout. Ok, l'ibam côté marqué plus à la level de connecter magazine moi. Ok, cliquez là comme ça. Ça c'est toi YouTube beau capable, toi magazine ou YouTube beau capable, cliquer là vous pouvez cliquer pour vendre, connecter avec vous vendre. Ok, sur les là vous pouvez cliquer là, ouais. Premier là c'est Shopify, deuxième là c'est Stefan Shop, mais trois bombes que tu as connecté sur le clavier, que tu as connecté à côté, ou même qui besoin connecter avec Yonto pour activer le même genre de contrôle dans la commencement vidéo, si on soit capable de faire. So, comme Shopify là, son compagnie qui est tellement populaire, il est populaire en pile, Shopify là populaire en pile, il est bon en pile.
mais comme ça tout est difficile, tout est difficile à connecter, il est difficile à connecter parce que on va mettre des détails, on va mettre ok, l'autre chose puis ouais puis facile à connecter correctement, ok. Pour faire ça là, soit connecter à Shopify, il faut cliquer sur le là comme ça, il faut appuyer en bas là où il dit dollar continuer, on clique là sur continuer et puis là pour toutes données correctement capable de connecter avec Shopify normalement les gens disent tout là, ok. On connecter store là aussi dans boutique quoi correctement, il faut appuyer en faire continuer correctement. Bon, on va aller faire continuer nous même qui t'a aimé ça, nous voulons vous pour nous capables de mettre ça dans commentaire correctement, ok. Mais de fin dans la vidéo nous va continuer tout. Ciao ciao, on a bonne vidéo, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.